Une autre anecdote que je me fais souvent conter lors de mes soirées, il y en a plusieurs qui me disent, puis dans une autre capsule, on le disait aussi, le meilleur dans le fond du temps du call est du 20 septembre au 3-4 octobre. Par contre, il y a une période dans ces 10 jours-là, appelons-le comme ça, il y a une période où, ce que dans le fond, on pense que les orignaux sont disparus. On voit plus de pistes, on n'entend plus caller. Il y en a même qui allent jusqu'à me dire « Mario, moi, ce que j'étais rendu le 25 de septembre, le call était fini. » Dites-vous que le call n'était pas fini. C'est tout à fait normal. J'ai vu des périodes, exemple, du 22 au 24, 25 de septembre, où ce qu'on pensait que les orignaux, vraiment, on pensait quasiment qu'ils étaient disparus. On les entendait plus, on les voyait plus, on n'avait plus de signes d'eux autres. Comment on a fait pour découvrir ça? C'est justement, c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte, à force d'en avoir vu et d'en avoir étudié. Dites-vous qu'un gros mâle va, tout dépendant des territoires, avoir avec lui, dans le temps de l'accouplement, jusqu'à 4-5 femelles. 4-5 femelles, ce que ça veut dire pour lui, c'est que quand ces femelles-là sont tout près de leur chaleur ou que les chaleurs débutent, il les rassemble tout autour de lui et il peut passer une période, comme on expliquait en début de la capsule, de 3 à 5 jours, où ce qu'il garde ses femelles avec lui. Tout ce qu'il pense, c'est l'accouplement. Tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas accouplé ou fini d'accoupler toutes ces femelles-là, ce mâle-là n'a plus besoin de se véhiculer d'un bord puis de l'autre. Dans le fond, il reste dans un secteur très, très, très restreint. Fait que c'est pour ça qu'on pense que ces orignaux-là sont disparus, qu'ils sont faits tuer, ou tout simplement, comme je disais tantôt, on pense que le call est fini. Mais non, il est dans un secteur très restreint, avec ses femelles, il y a une idée en tête, dites-vous que c'est l'accouplement.